Attention, je vais tout casser, je vais aller le chercher, quand même. Et le stream va officiellement brûler. Attendez, il y a une censure à avoir, je crois. Il se lance en 4 tiers, je ne sais pas pourquoi. Ça cherche la Bajar. Mais pas du tout. Mais pas du tout. N'hésitez pas, bien entendu, à essayer de vous informer, bien sûr, de vos... comment on dit de vos influenceurs de gauche préférés, de voir comment ils réagissent à leur préféré, bien entendu. C'était quoi que j'avais mis? On va peut-être partir sur plus bas que d'habitude. Ah ouais, mais si je joue en 1000... Oh non. Si je joue en 720p, ça va être l'enfer. Ah non, quoi que ça va. Je vais jouer en 720p, comme ça on va peut-être pouvoir jouer un peu mieux. Et que ça tourne mieux. Oh, c'était cette taille-là Non, j'avais fait... Je sais même plus quelle résolution j'avais. C'est quoi le calcul entre 1920 et entre 1080 et 720 déjà, je sais même plus. C'est quoi déjà? C'est 1600-900, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Le jeu est lancé. Ça a l'air d'être bon. La partie est dedans. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Je descends sur. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que c'est au bon endroit? C'est ça la question. C'est au bon endroit. Eh bien, c'est parti. Allez, on joue. Dandara attaque, exactement. La musique est un peu forte. Dandara est toujours un peu forte dans le principe. N'hésitez pas à jouer à ce jeu. Que j'ai arrêté parce que j'avais pas du tout le skill, mais que Raving Bell a bien entendu fini comparé à moi. Voilà. Bon, allez, c'est parti, hein. On a des choses à faire, n'oubliez pas. Ah, que je bouge. Est-ce que vous voyez la souris? Non, non, normalement, c'est bon. Faut qu'on se barre à l'intérieur. Peut-être qu'on va prendre des rallonges d'électricité, peut-être que ça va nous servir. Je sais pas que si ça. D'accord, ça compte comme des rallonges, comment on fait? On les utilise, ça. Mais là. Ah, utiliser pour allonger les câbles d'alimentation des segments indiquent la direction du courant. Branche dessus. Utiliser. Ah! Indeed! Ça rallonge en effet. Bah écoute, tu restes ici, on s'en fiche un peu de toi. Autre chose, oui, là il y a de la terre, c'est très bien. Du coup, j'ai regardé. Nage dans le démerde de sel, ça fait les muscles. J'ai de la persévérance dans le sel surtout. C'est pas faux. C'est pas faux, j'avoue que si vous voulez aller voir Raving Bell dans ses œuvres, c'est souvent à base de try and retry. Hein. Nous, on va s'enfermer dans cette grotte parce que j'ai appris qu'il y a de la latérite dedans. Non, attendez, faut d'abord que je me débarrasse des trucs que j'ai sur moi parce qu'en fait, je m'en fous. Ah! Fini? Tu veux pas essayer de. Voilà. Des trucs qu'on connaît pas trop. Tu le fais. Ça va nous donner des objets gratuits. Genre, ça, on connaît pas bien non plus. Merci! Et je crois qu'on avait trouvé un autre truc, non? Non. Non. Et donc, hop, ça, on va l'abandonner là. Ça, on va l'abandonner là. On va se barrer vite, hein. Et ça, il va falloir que je l'utilise à bon escient cette fois-ci, en bas. Allez, c'est parti. Direction la grotte. Alors, donc, pour les latérites, c'est... Alors, les latérites, c'est pour faire de la céramique, je crois. Ou... Non, l'argile, c'est en bas. C'est un peu partout. Et la latérite, c'est quelque part ici. Donc, on va aller devoir checker de la latérite ici. Bien sûr, ça, on s'en occupera plus tard, mais on peut mettre la lumière si vous voulez. Youp. Voilà. Mais c'est mieux d'avoir sur nous. Parce qu'en fait, si je vous montre ça, l'utilisation de ce truc, c'est peut-être mieux comme ça. Bref, on verra. Donc, du coup, on va devoir se balader. Là-bas, il y a l'air d'avoir des trucs.
entendre qu'il y a une nouvelle mise à jour Windows. Oui, j'ai déjà faite. Elle m'a fait chier pendant les autres streams. C'était... La blague était là. Ah, mais j'ai pas beaucoup de rallonge en fait. Hein. Je suis en train de remarquer. Et genre 2. Ah, bah on va faire la technique du. Voilà, bah ça c'est fini. On a plus de rallonge. Maintenant on est perdu. Attention, on va devoir jouer avec l'oxygène. C'est possible que je meure. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est ça qu'il nous faut. Ce n'est pas assez. Ce n'est clairement pas assez. Donnez-moi de la latérite, s'il vous plaît. Mon dieu. Where is the latérite? Et où est la latérite, toi? Ah. Ça y est, ça bug. Attendez, je vais enlever ça parce que ça me fatigue. Il y avait marqué la terrible dans le coin. Ah, là. 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 Tout va bien. Allez vite. On va suffoquer sinon. Petite course vers l'oxygène. Ah huh. Voilà, voilà. On y est. On a de la latérite, c'est bien. Des drivers graphiques aussi, vous avez entendu des trucs? Non, j'ai vu une Nvidia passer. Arrêtez de faire. Me dites pas ça, je vois rien en plus du stream parce que j'ai enlevé l'aperçu pour que ça roule bien. S'il vous plaît, me dites pas, me faites pas peur. D'ailleurs, faut que je, officiellement, je peux. Est-ce que je vous annonce officiellement que dans pas longtemps je suis affilié parce que faut que je m'enfuie clairement de mon travail et que je puisse quand même récupérer de quoi assez avant l'affiliation si c'est possible. Ah, on a déjà tout rempli. Ah oui, d'accord, bon, je vous laisse ici. Ciao. Et qu'avant l'affiliation, il faut que je récupère aussi un nouveau matos d'ordinateur, parce que je ne peux pas faire setup avec le vieux ordinateur maintenant, c'est fini. Bon, allez, on remonte. Faut que je m'enfuis, ça devient dramatique le taf en ce moment. Nage dans des mers de sel. Tu feras attention, il y a un trou, tu risquerais de te faire mal. Mais il y a plein de trous, hein, Raving Bell. Je sais pas si t'as remarqué. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Donc des fois, c'est compliqué. Des fois, j'oublie. Je crois qu'il y a une nouvelle mise à jour Windows. Non mais... J'arrête de vous lire parce que ça me fait peur. C'est bon? Il y a des choses qui se passent ici ou c'est juste pour faire genre? Je pense que c'est officiel, ouais, on peut dire ça. Je vais aller chercher le reste. On a besoin de latérite, je sais pas combien de combien. J'aurais dû prendre les rallonges, on en avait fait plein. Regardez cette super glissade. On va tellement vite, c'est vachement bien. Je pense que ouais, c'est. Je pense qu'on va faire ça. Petite course. Hop, c'est par là. Non, je sais plus. C'est... Faudrait que je mette un point ici. Non. Non, je pense que c'est. En fait, si je fais ça, c'est principalement pour ne pas trop flipper, en fait. Mon avis dessus, c'est que je pense pas que ça fait la vie, mais ça permettrait de moins flipper ou de du coup peut-être un peu décharger aussi le l'idée qu'on se fait du salariat actuellement, parce que là, moi j'y crois pas trop, mais voilà, déjà je suis actuellement salarié, ce qui est pas naturel dans ma branche, on va dire. voilà.
Et qu'en plus, le truc, c'est que... Le truc, c'est que ça se passe très mal, actuellement. Je vous avais parlé déjà que ça cassait des gens. Et là, officiellement, il y a... On a de l'aluminium, c'est bon. Et qu'officiellement, maintenant, je suis peut-être le seul qui n'est pas d'arrêt maladie actuellement. Voilà. Être là. Voilà, donc du coup, c'est compliqué. J'ai l'impression d'être à, comment on dit, à mon et à vos. Et comment on dit, c'est un truc comme ça, hein, la phrase, non? Je sais plus. Merci Raving Bell, je sais, en fait c'est compliqué parce que en fait là je sais que c'est nécessaire que je sois salarié actuellement. Dans le sens où je suis le seul actuellement à pouvoir le faire. Nibbler commence un peu à reprendre, mais voilà, c'est un peu long. On n'a pas masse de temps non plus. Le truc, c'est que, ouais, en fait, ce serait pas mal de. Là, j'ai des horaires qui sont pas incroyables non plus. C'est un peu. Bah là, en fait, le truc, c'est financièrement, ouais, c'est financièrement nécessaire, c'est ça. Et le truc, c'est que. Par mot et par vos, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Disons que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que là. On n'a pas de temps et on n'a pas de. Je vais peut-être mettre ça à faire découvrir ça là, la Territe. À des écoutes un peu gratuits. Et en plus, ouais, du coup, il y a l'idée de. Pas c'est une plateforme aussi. Purée, la plateforme, c'est quoi déjà? Je sais plus. Logiquement, ça... Attends, c'est quoi? Ça devrait aller de l'autre côté, d'ailleurs. Youp! Les imprimantes, c'est de ce côté-là. Là, on va mettre une plateforme. Ouais, c'est compliqué. Donc, du coup, en fait, l'histoire, c'est juste pour pouvoir éviter de trop baliser dans ma tête. C'est pas vraiment... En fait, c'est vraiment pas pour... Je pense qu'on n'arrivera jamais à de l'argent, à proprement parler, de sustentation. Mais sachant qu'en plus j'ai appris pour ce que touchait aussi l'histoire crépue. En vrai le Twitch non, clairement pas. Mais après moi à la base je fais pas ce que je fais au taf et je suis entre guillemets affilié artiste-auteur. Donc présentation, je sais que c'est une galère. Donc c'est juste pour éviter de flipper. Et de pouvoir un peu de me dire, j'ai une soupape si le salariat me claque dans les doigts. Parce que ça peut aussi claquer dans le sens où y a pas de. Je me fais virer, licencier économiquement, c'est possible aussi ça. Oui, ça c'est pas étonnant, Raving Bell, mais c'est parce que aussi, je pense que t'as des gens qui sont cool qui te suivent. Et c'est pas étonnant que Kofi, ouais, c'est normal. Après, y a un truc qui arrive là au fur et à mesure. Normalement, ça va se. Est-ce que je dois rester à côté ou je fais genre. On va baliser en bas. Hein. C'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas du tout. Cette histoire-là. Et je pense pas qu'on puisse arriver à. Voilà, ça c'est ce que je dis. C'est clairement une rémunération toujours à deux chiffres que j'ai entendu. Quand on arrive à un point où c'est trois chiffres, déjà, soyez très très contents. Vous faites partie d'un petit groupuscule déjà. C'est pas étonnant qu'après, il y ait des gros youtubeurs, youtubeuses qui se salarisent auprès de médias. Hein. Ou qui se salarisent pas vraiment, parce que ça peut être la pige. On a balisé du côté des latérites. Maintenant, il nous faut de l'argile. Et l'argile, je sais pas. Où ça se trouve, mais je pense que c'est pas forcément ici.
Alors, faut que ça, c'est les ressources. Du coup, il faut que je j'apprenne que les symboles de ressources. On va essayer d'apprendre ça. Salut Cicéron. On est actuellement dans une grotte. Je vais checker du coup. J'ai appris où c'était en regardant le replay. Voilà. Et maintenant, le symbole qu'on a vu, c'était quoi déjà? Non, c'était la latérite. Ah bah c'est de la latérite, c'est juste à côté. Ça tombe bien. Eh ben, je vais vous montrer comment on ouvre du coup. Est-ce qu'on a de la latérite sur nous? Non. Je vais vous montrer comment on ouvre. Et ça va nous permettre de voir aussi ce que ça donne comme truc, les petites balises, enfin les petits sas abandonnés comme ça. Hop. Ok, c'est bon. Ah, mais il y en avait plein. On va récupérer ça. Restez là. Quoique, en fait, non. Viens avec moi. Portez. Je crois que c'était par là qu'on est passé. Voilà, donc du coup, ouais, si je fais l'affiliation, c'est en fait, on va faire des petites emotes. On va s'amuser surtout majoritairement à essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et après, regardez, ça va s'ouvrir. Hop! Et là, du coup, on a gagné un truc. Je scanne. Je gagne des octets, ok. On va peut-être checker l'autre, du coup. Mais ça me permettra de me pas trop me stresser aussi sur le taf. Parce que là, en ce moment, c'est... Vous avez dû remarquer que je traîne un peu des pieds à quitter le stream à 11h30 ces derniers temps. Ce n'est pas que j'ai pas envie de vous abandonner à l'heure. Hein, c'est surtout... Ça, c'est de la latérite aussi, je crois. On va aller l'ouvrir. Ouh là là, il y a un gros trou, là. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas anodin, clairement. Et du coup, voilà, c'est ce que comme tu dis, Ring Bell, ce n'est clairement pas anodin. Je pense qu'il y a clairement un truc. N'oubliez pas, faut qu'on ait le broyeur aujourd'hui. Hein. Bien, ça a 449 octets, ça veut dire qu'on va pouvoir débloquer des trucs. On va monter, on va vérifier que tout se passe bien. Là, il y a du quartz, on s'en fiche. Nous, on a vraiment besoin de l'argile, là. Pas mal. Ouais, bah après c'est surtout que j'ai de la chance quand même, hein. J'ai du champ d'action de mon côté. Donc je peux me laisser aller entre guillemets par moment au taf. Sachant que c'est mes moments de représentation, si on parle de représentation, sont très limités à quelques heures d'atelier. Excusez-moi, j'ai pris ça, sans faire exprès. Donc du coup, en fait, j'ai un peu du temps entre les deux pour me soulager l'esprit, mais c'est pas non plus. On va faire une plateforme, on avait dit. Ça, c'est là-bas. Et en fait, c'est, je passe le. En fait, en ce moment, si vous voulez savoir ce que je fais en dehors d'atelier, ben, en fait, je les prépare et j'accompagne des gens sur des. Il en faut deux. Et je fais en sorte que ça se passe bien, que de normer, mais de normaliser les trucs. Peut-être lui donner ça. On a besoin de combien des résines? Deux, je crois. Je vais chercher les résines. Salut Fred, excuse-moi, je t'ai pas dit salut, mais bon, salut. J'ai une seule lettre de motivation dans ma vie, après je l'ai déclinée chaque fois que j'avais besoin d'une nouvelle. Une lettre de soumission au lieu de motivation. Aïe aïe aïe, tu te regardes. Voilà, donc du coup, moi je. Pareil, hein, pareil que toi, je pense. Il y avait pas une poche de résine quelque part? D'ailleurs, j'ai pas mis la radio, mais personne me dit.
Ah, je vais mourir! Voilà, j'ai failli mourir. Actuellement, en PLS dans la grotte. Parce que j'ai oublié de mettre la radio. Je mets la radio. Bon, le stream va officiellement mourir maintenant. Paye-moi. Ah, un raid. Bonjour. Un raid de Marcel Duchemin. Tôt comme ça, à 155 personnes. Bonjour, on joue à Astronir. Avec de la radio défectueuse. La radio défectueuse, c'est la... La radio défectueuse, c'est... On capte la Terre. Bonjour, Sentier Battant. Bienvenue. Bon bah ici vous avez compris, on va faire du on est en survie dans un espace un peu lointain. On a une radio défectueuse qui nous donne des radios random de la Terre. Donc vous avez le droit de choisir bien sûr votre radio préférée, n'hésitez pas. On utilise Radio Garden, si vous ne connaissez pas Radio Garden, je vous envoie le lien. Mais majoritairement, ce stream est à l'arrache, comme vous pouvez voir. L'ordinateur peut brûler. Je vais te faire un shootout dans quelques secondes, Marcel Duchemin. Salut Alphabet. Salut 13B, c'est le raid, exact. J'ai vu Nagual, merci d'être là aussi. Everything but Archie, n'hésitez pas, hein, vous pouvez bien sûr danser ici. Salut Bri-Bri. Alors attendez, il y a du people. Je vais vous shootout au point. Ça fait un bal. Un bail. Exactement, la dernière fois que t'es passé, je crois que c'était encore chronologie. Bah là, on est en total à l'arrache. Je vous fais des shootouts dans quelques secondes. Attendez, il faut juste que je puisse y arriver. Salut, cool. Eh oui, si tu connais Macno, on est sur Astronir. Bah là, tout simplement, on cherche de la résine pour pouvoir finir notre broyeur, je crois. Donc ça va être de l'exploration et de... Oh, ouh, il y a un trou qui va plus bas là. Ouh là là, on va peut-être pas tomber ici. Hein. Merci pour les follow. Je vois que vous followez tout le temps. C'est bien, c'est cool. Il y a le Discord, mais oui, si vous voulez passer. On s'y amuse. Ouais, donc du coup, je vous shootoute dans quelques secondes. 2 minutes, je récupère juste de la résine. On a besoin de résine. Et là, on est à Chantanour FM, en radio. Merci, Senti Bâton, de follow. Très, très, très agréable, ce follow. Bonjour, bonjour, j'espère que ton Mathios tiendra le coup. Mais non, mais le PC va juste brûler, vous inquiétez pas, il n'y a rien de problématique. Je vais juste remonter, et on fait un petit topo là-haut. Donc là, on est dans la grotte, on a trouvé pas mal de trucs. Il y a du quartz, de la latérite, on a trouvé la latérite là, juste avant. Qui va nous permettre de faire de l'aluminium. Et on a fait notre centrifugeuse. Et là, on en fait des plateformes pour pouvoir faire en sorte que la centrifugeuse fonctionne. Qu'on puisse survivre. Parce qu'on va faire un truc et après, on va se balader. Et il y aura les mystères de la planète qui va débarquer. N'hésitez pas à choisir une radio que vous préférez sur Radio Garden. Comme le signe que je vous ai donné est actif toujours. Et donc oui, je parlais du fait que Bri-Bri n'était pas revenu depuis chronologie. Normalement, à la base, on fait chronologie. Mais depuis plus d'un an, c'est une galère de se croiser, de se positionner. Voilà. Et on parlait de survie sur le rapport salarial juste avant. Voilà, vous avez compris qu'ici, on n'aime pas le travail. Et si vous écrivez un truc, une vulgarisation de keuf, il y a des gens qui parlent pour nous. N'hésitez pas. Voilà. Ça parle pour la troisième fois de résine, il y a Iconic qui va se pointer. Résine ? Résine ? Résine ? Résine ? Hydroponie ? Pollinisation ? Je sais plus comment s'appelle le truc là de... Ah, je me rappelle plus de tout le terme. Bref. Iconic n'hésite pas à venir. Hein. Se chauffer au PC, je voyais ça plutôt en cramant un roussel. Mais bon, ta méthode est juste plus onéreuse. Non, là actuellement mon PC est un peu vieux. C'est moins onéreux qu'on pense. Salut Déméter, je crois aussi, en vrai, je me rappelle, j'habitais encore à Bordeaux à l'époque, c'est vrai, ça fait plus d'un an. Apoa et Iconic, exactement. Merci Strega pour les trucs, que du beau monde, c'est vrai, que du beau monde, Revigmel, t'as raison. Meilleur des espoirs, merci pour les... Ah, je vais pas pouvoir tous, mais Cladmi, Bakwa Macno, merci. Je vous remets le lien de Radio Garden, si vous voulez.
Ouais, pour les légumes, hein, l'hydroponie. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, y a des bien sûr, allez voir vos meilleurs endroits de légumes pour pouvoir faire de la légumine, bien entendu. N'hésitez pas à prendre des petits tissus aussi pour filtrer, bien entendu, votre résine. Alors, je vais faire Marcel Duchemin. Est-ce que tu es toujours dans le coin, j'espère? Parce que comme ça, je te fais ton chouchoute. Hop. Que faisiez-vous? Je ne sais point. Je n'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps de regarder. Vous avez tous écrit très rapidement et tout chat a fait ah, j'écris. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros cœurs. Merci du raid. Ça fait un moment que je me fais pas raid, surtout le matin. Enfin, c'est pareil, c'est normal, c'est le matin. Je crois que je te suis même pas, Marcel Duchemin, mais faudrait que je te suive ou je te suis et je sais pas. Ah oui, Samouraï Saucisson, c'est pas mal comme nom aussi. Sabotin. Bravo. Bravo pour les emotes de Samaï. Bienvenue. Pimiko Sideshow, merci d'avoir follow. Pas de panique, c'est un raid. Non, oui, c'est bon. Yuno, salut. Ça fait un moment en plus que je te vois dans plein de chats, j'espère que ça va. Et Guluglugju. Alors je sais pas comment on dit. Gul. Le Guge. Bonjour. Alors Yabri aussi, faut que je te fasse un chouchoute. Il est en attente, hein, t'inquiète. Sabotin. Sentier battant, bien entendu, le chouchoute nécessaire. Allez voir Sentier battant. Lisez son livre, s'il vous plaît. Voilà, alors attends, faut que je me rappelle, je trouve que la tournure est vachement bien en plus du titre. Ah! Je vis dans l'endroit que l'on m'assigne. Je sais plus, c'est exactement ça. N'hésite pas à me corriger et à bien sûr envoyer des hate follow. Non, je rigole. Pas des hate follow, mais. À me taper à travers l'écran parce que je me trompe de titre sans doute là de mémoire je pense que c'est ça. On a mis la grosse imprimante, maintenant on va faire un autre truc. Il nous faut encore de la résine et j'en ai plus assez. Et je dois rechercher de la résine again. C'était par en bas qu'on est allé, je sais plus. Je suis arrivé par là. Ah tiens, il y a de la résine. La résine qui traîne. Résine, résine, résine. Je suis libre dans le. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis libre dans la limite de que l'on m'assigne. Non, c'est pas dans la limite, c'est. Je suis libre dans. Ah! Attendez, je vais devoir débloquer dans le périmètre que l'on m'assigne. Bravo! Merci, merci. Je dis bravo alors que c'est Sentier Battant qui l'écrit. Laissez-moi mourir. Merci, merci pour Striga pour le faire tourner le livre de Kamel Daoudi. Merci. Très très. Moi je trouve que ça marche très bien. Bravo. Et force, plein de soutien, hein, bien sûr. Sentier battant pour tout. On est avec toi. Alors juste. On va aller chercher encore de la résine, je sais plus si c'est par là. J'étais pas loin, mais ouais, mais c'est, tu vois, de tête, avec 150 personnes qui regardent, c'est triste de le foirer, je trouve. Ah! Je crois que ça te dépasse ici. Bien sûr, toujours avaler des choses qui sont sous vos pieds, hein, bien entendu, c'est reconnu. Vous connaissez ce mème. Ah, je crois qu'on a besoin, tout ce qu'on a besoin. Allez, c'est parti. Donc, on a un gros aspirateur. Normalement, il n'y a pas de combat. On a un mystère à résoudre sur cette planète et s'envoler aussi dans les cieux. Voilà. Même le Luc qui a essayé de m'aider. Toujours creuser sous ses pieds. Exactement, toujours, hein, bien entendu. On a des petites plantes qui sont assez rigolotes. On a une planète, on a une montagne qu'on n'est pas allé voir encore, mais là, c'est de la résine là-haut. La résine. Il y a de l'aluminium. On fait notre deuxième plateforme parce qu'on a besoin de cette plateforme. Ça prend 15 ans, mais c'est pas grave. On a trouvé pas mal de trucs. On a de l'alu. On va refaire de l'alu parce qu'en fait on n'a pas besoin de la térite. Voilà. N'hésitez pas à changer de radio si vous voulez changer de radio, sinon on kiffe bien. Hein. Quoi d'autre? Ah oui, il faut que je lui donne un truc à analyser. Débris là, c'est pas le plus important. Faut
Faut qu'on trouve de l'argile, c'est vrai qu'on a. Je vous avais dit qu'il fallait trouver de l'argile, on l'a toujours pas. On a toujours pas de l'argile. Je crois que on va aller checker nos trucs de mission. Si vous voulez changer de radio, c'est maintenant. Hop, on a débloqué ça, super. Expert en déballage, on a débloqué ça, super. Et on a gagné des trucs. Oh bah tiens, on a un buggy. Très bien, le buggy. Et voilà, on a un buggy. Et du coup, avec notre super truc que nous avons en bas, je peux pas le bouger. What the fuck? Ça c'est vachement nul. Ça c'est vachement nul. Me donner un truc comme ça, c'est vraiment le pire cadeau de tous les temps. Et rappelez-vous, on avait fait un cockpit. Comment on change la radio? Vous me dites et je change la radio, hein, tout simplement. Faut juste chercher sur Radio Garden et après, je vais... Vous voulez un endroit? Vous pouvez donner un endroit aussi, ça fonctionne. Quoi? Ça rentre pas dans le buggy? What the fuck? Comment je fais, du coup? Si, ça rentre. Alors... Il m'emmerde, lui. J'aurais dû le placer ailleurs, c'est ça qu'il me dit. Ah! Ah! La matrice a accepté quelques secondes. J'ai découvert Hydronir et Let's Game It Out, c'est un fou. Je ne connais pas. On va y arriver, hein. Je sais pas déjà pourquoi le buggy est bloqué ici. De toute façon, il va falloir aller chercher le... Oh là là. Allez! Ça va être une galère pour rien, ça. Non mais ça se trouve, c'est celui du rover et que ça marche pas. C'est juste que je me suis trompé de... Tu vois? Je vais chercher la pile, de toute façon on a besoin de la pile. Il y a une pile là. Est-ce que ça marche sur ça? Ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air de marcher. Oh, c'est bon. Yes, yes. On va rentrer. Youhou. Je peux sauvegarder. Youhouhou. Allez, c'est parti. On n'a pas d'oxygène, c'est vachement bien. Et on a un buggy. Incroyable. Tout va bien. Je peux retourner. Oulala, oulala. Je sors. Merci. Bon, on a un buggy, on va pouvoir se balader un peu. Imprimer un tracteur. Bah, on n'a pas besoin de tracteur. Débloque et imprime et fixe le module de boost. Ça c'est un truc à faire. Ouais. Apparatio à Reykjavik. Ok. Tiens, notre plateforme est arrivée. On avait dit la plateforme, c'était pourquoi déjà? Ah oui, c'est ça, c'est pour le... Ça. Ça a l'air bien le buggy, ouais. Ça va être rigolo parce qu'on va pouvoir se balader dans la... Un peu partout. Ah oui, il y avait plus de place de... Trop d'aluminium. On va pouvoir aller chercher peut-être de l'oxygène. En fait, le truc là, maintenant, c'est il nous faut un truc pour oxygéner. Ah oui, je peux sortir. Alors du coup, là, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, voilà, ça va vider. Mes petits trucs de bonbonnes. En fait, c'est électrique, d'après ce que j'ai compris. Et ça transforme... Mon truc qui est en liquide en ressources. Donc je vais toutes les mettre. Je crois que c'est ça l'histoire. Elle est vide celle-ci ou pas? Ah oui, ça a vidé mes trucs, ok. Pipipipipip. Hop, on va les mettre.
On a besoin de plus de ça. Il n'y a pas un genre d'entrepôt, je vois toutes tes ressources traînent au sol, comme des magazines chauds dans une chambre d'ado. Mais non, mais c'est pas du tout ce que tu penses que c'est. Regarde, là il y a ma casse. C'est tout à fait rangé. Hein. Là il y a ma casse et là il y a les trucs que j'ai pas envie de faire, c'est-à-dire le rangement, c'est-à-dire ça. Les stockages. Je trouve que c'est de la perte de moyens. C'est bien rangé. C'est très très bien rangé, regarde. Toutes ces ressources peuvent être utilisées actuellement autour de ce truc-là, si j'ai envie. Par exemple, là, si je veux faire du verre, j'ai juste à mettre ça. Ça fait direct. Mais est-ce que j'ai envie de faire du verre? Ouais, on va faire, oui. Et là, il est en train de produire, par exemple, des composites. C'est très bien. C'est très très bien, ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Je ne sais plus. Changer la musique. Le four de fusion. Ah oui, il faut le broyeur. Broyeur. Il nous faut le broyeur. Est-ce que c'est toi qui fais le broyeur ou pas? Et voilà, il y a les composites qui sont arrivés. Alors du coup, le broyeur. Je crois que c'est peut-être dans mon dos que je débloque. Petite imprimante, c'est bon. Emballeur. Bloc de terrain plat. Ça, on en a pas besoin. Produit des ressources à partir des cibles tapotées. On peut faire ça. Mais on n'est pas de ce genre. Il nous faut une réserve un réservoir d'oxygène, je pense que ça peut être pas mal. Un oxygénateur portable, ça serait vachement bien. Mais on pourra pas. Avec du verre, c'est pas mal ça en vrai. Petite bonbonne, balise, éclairage, ça c'est bon, on en a besoin. Projecteur, moins intéressant. Petit générateur, pile, solaire, ça peut aider. Alors ça c'est bien parce qu'en fait avec le buggy, vu qu'on va plus l'utiliser à l'extérieur, ça peut être intéressant. La batterie, on l'a. Et du coup on va faire ça, l'accessoire booster, on en a besoin. Et le module large, on en a besoin, comme ça va nous débloquer d'autres trucs. Faire ça tout de suite. Alors... Zinc. Nick, j'ai pas de zinc. Zinc. Pour les deux, il faut du zinc. Mais je crois que j'ai pas de zinc. C'est mieux rangé, c'est juste une organisation différente. Moi, j'utilise la méthode dite sédimentarisation. J'ai pas de zinc. On a un problème. J'ai beaucoup de composites pour rien en plus. C'est pour ça que les stockages c'est bien. Hein. C'est... Regardez, ils sont en train de vider toutes mes bonbonnes, c'est vachement bien. Hop. Donc maintenant, à chaque fois que je récupère des trucs, je récupère beaucoup plus. L'inhibiteur, on va peut-être pas le prendre au final. Voilà. Il va falloir qu'on aille chercher un truc pour pouvoir le mettre dedans. Buggy, 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 buggy. Ça là. Ça c'est un truc à analyser ça. Ah, ça rame. C'est pas le câble, c'est le jeu. C'est énorme. J'aimerais bien trouver un jeu de survie où quand tu prélèves des ressources, ça te fait mourir. Alors, c'est une bonne question. C'est un peu l'idée aussi que je cherchais, mais le problème, c'est que là, c'est beaucoup d'exploitation. Clairement, du monde. On va se balader comme ça. Là, il y a un truc. Ah. Faut qu'on trouve de l'argile, hein, n'oubliez pas. Tout ce que tu avais. C'est bizarre. Bon. L'objet bizarre, on va le poser.
peux essayer de l'analyser, même si je pense que tu l'analyseras jamais. On va te mettre ça. On va le mettre là. Ça, on n'en a pas forcément besoin. Du coup, on avait dit argile, on n'a toujours pas trouvé d'argile. Mais par contre, il nous faut un oxygénateur, ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'on a un truc d'oxygène portatif? Je crois qu'on en avait un la dernière fois. Je sais pas si on peut le faire. Pas où je l'ai foutu. Rallonge. Répartiteur. On va aller prendre la pile en bas. Ok, on va peut-être prendre aussi une balise pour savoir où on est. Eh ? Ouais. Bon, on va prendre cette balise. Oula, rallonge électrique, c'est pas très intéressant. On va laisser ça ici. La lumière, la deuxième lumière, on va la laisser là. On va prendre le buggy et on va aller se balader parce qu'il nous faut de l'argile. On a toujours pas trouvé d'argile. Ah oui, il faut que j'aille chercher l'électricité en bas. J'ai oublié. Attention, c'est là où on risque de mourir. Je sais pas à quoi ressemble l'argile, c'est ça qui est grave. Là, il suffit juste de l'électricité. Il nous faut... juste... Ah, c'est vrai que je crois que on a une... Ah, mais attends, on a de l'oxygène dans le buggy, je crois. Oui! On a de l'oxygène dans le buggy. Mais c'est génial, j'avais oublié cette histoire. Donc on peut se balader vraiment n'importe où. Il nous faut juste... trouver les bons trucs. On bail. On peut se mettre ici ou pas? Non? Ah, il faut une rallonge en plus. Mais niquez-moi en fait, vraiment. Hein. Tiens. Sac à dos. Qu'est-ce que c'est? Petit klaxon. Oh, je veux un klaxon! Projecteur, mais c'est vachement bien. On a plein de trucs. Filtre d'oxygène, mais c'est encore mieux. Bon, bah merci hein, d'être mort ici apparemment. Ah, il y en a un autre, là. Attendez, on va mettre le projecteur dessus. Tut tut. Ah ouais, alors du coup, on n'a pas essayé, c'est vrai. Encore? Bonjour. Salut, Alice Rage. Mais je vois que vous... le but, c'est de me bomboclate sur avant Furax. C'est ça, l'histoire? Attendez, on fait... Voilà, petit tut tut. C'est la première fois depuis longtemps que des gens me raident. Il y a Marcel Duchemin qui vient juste de raid en plus. Bravo, merci. Allez voir Alice. Toujours du bon contenu, hein. La vraie rage dans le coin. C'est parce que le principe même de ce genre de jeu, c'est de prélever des ressources. Ça ne se fait pas sans défoncer la nature. Exactement, c'est notre problème. Moi, si vous trouvez l'audiobook de Écologie décoloniale, je prends. Pourquoi on est à 137 personnes, je ne sais pas. Mais bienvenue, bien entendu. Merci pour les sauts, je dois fuir, bisous, mais fuis bien, et bon courage pour la journée. On trouve des trucs, nous, hein, ici, des trucs qui vont remplir mes poches, mais pas m'aider beaucoup. Je sais pas où mettre ça, hein. J'ai trop de choses, là. Il faut qu'on se débarrasse d'un truc, on va se débarrasser de la bonbonne, hein. Tiens, hop. Et la lumière. Merci en tout cas du raid, merci beaucoup et bon courage pour ta journée. Là on se balade, on a trouvé un buggy, enfin on nous a offert un buggy, du coup on se balade. Et là en fait il faudrait que je mette ici une balise en fait, en vrai. En vrai il faut que je mette la balise ici parce qu'il faut que j'aille chercher l'électricité. On va rentrer à la maison. Attention, l'ordinateur, s'il meurt, c'est normal aussi, hein, n'hésitez pas. Bonjour, Mimi Léleuse, bonjour, Steak Tartare. Steak Tartare. Si l'ordinateur brûle, c'est normal, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à... Ah, mais d'ailleurs, il n'y a plus la musique, il n'y a plus la radio défectueuse, là. On capte aussi... Alors oui, on avait dit. On capte aussi la radio, on va changer la radio pour celle de Strega. Attention, un trou.
On a faim en effet. Eh ben, bon app. Le seul qui fait un peu, c'est Echo, je crois, où les ressources sont limitées. Ah bon, bah je découvre. Du coup, il faut qu'on dépose ça, plein de trucs. D'ailleurs, je vais les mettre là, en fait. C'est les objets bizarres, je sais pas quoi faire avec. Je pense que si on les utilise, ça va permettre de faire des trucs, mais pour l'instant, on va pas les utiliser. Le klaxon. En vrai, est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Non. Est-ce qu'on peut le mettre sur le truc? Non. Le filtre d'oxygène, c'est pas mal. Le filtre d'oxygène, ça rajoute un peu d'oxygène, ça peut aider. Les rallonges, là, on n'a pas besoin. Les bâtons lumineux, ça peut aider. Donc on va mettre ça, ici. Et on va aller chercher notre petit truc. Donc on joue à Astronir. N'hésitez pas, si vous aimez bien le jeu, on peut faire du groupuscule. Mais bon, voilà, on est sur Game Pass. Mon ordinateur est à moitié en train de crever, donc c'est possible que ça soit mort. On va chercher la pile et c'est quoi le générateur? Petit générateur, ça permet de faire une pile aussi, je crois. Ouais, pas besoin de ça. La plateforme, on va la laisser là, de toute façon, on en a pas besoin tout de suite. Ah, quoique, attends. Le générateur, je sais plus s'il a besoin de... Oh non! Il a besoin de... Attends, on va checker. Le générateur, est-ce qu'il a besoin d'une base? Allez, c'est trop bien. Allez. Pour le générateur, on en a besoin. Personne ne proposait, on n'est pas obligé de changer. Bon, c'est vrai que la radio, elle s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Je remets la radio. On est à Chantanoir FM, du côté de l'Inde. Donc on capte des radios, avec la radio, on capte des... Le RD1, c'est bizarre. Non mais... Après, si ta définition de la nature s'arrête aux frontières de la planète, tu peux essayer des versions spatiales de ce principe. Pour l'instant, ça ne lag pas. Merci de me rassurer. On reprend le BugX. Mais non! Le stockage qui bouge, c'est n'importe quoi, ça. On va aller à notre balise. Alors, ouais, donc du coup, moi, je parlais de Plantationocène parce que je trouve que le truc de l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand sur le Plantationocène, c'est intéressant. Oh là là, ça, c'est en galère, hein. On sort. Donc, du coup, ce truc-là va s'ouvrir avec l'électricité, donc on va essayer de checker de ça. Avec le générateur, ça devrait être bon. Ah ouais, mais faut que je mette un truc, faut que je mette de la terre, je crois. Bon, rien là. J'ai été distrait. Du coup, la radio, c'est pas partagé. On écoute la tienne sur ton stream, mais on peut pas interagir avec. Bah, en fait, j'aurais préféré qu'on interagisse, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Là, j'ai pas organisé ça bien. J'avoue. À la base, on aurait pu faire Spotify, mais. Mais voilà. Mais attendez, je suis en train de remarquer, mais c'est les bonbonnes qui sont en train de bouffer. Mais niquez-vous, en fait, les bonbonnes. Bon, il est en train de faire la deuxième. Casse-toi. On a besoin de combustible actuellement. Remarquez que mes filtres d'oxygène, c'est bien, c'est 80 secondes, c'est pas mal. Hein. Mais dites-moi que c'est pas vrai, j'arrive même pas à faire du combustible. Hein. J'ai tué la moitié de la planète. C'est pas de l'argile, ça? Jaune, là. Qu'est-ce qui se passe? On peut avoir quelque chose, c'est peut-être ça. C'est compliqué les trous là. Hein. Je note.
C'est bon. Dans 10 minutes, y a plus de planètes, 13 vies sera tout. Ah non! Oh mon dieu! Mais pourquoi j'ai lu? Vite! En plus, j'ai utilisé mes 80 secondes là. Oh, ça va, j'ai survécu. Ça va. Je suis tombé dans un trou, mais j'ai survécu. Ouah, la taille du trou en plus. C'était dur. Eh, mais les filtres d'oxygène, en fait, tu les claques. Et ils sont plus là. Hein. Là, ça va s'ouvrir, du coup. Star Eater. Pourquoi Star Eater? C'est faux, arrêtez. Moi je le trouve mignon le jeu, c'est vrai que c'est beaucoup trop de trous dans les mondes, c'est vrai, j'avoue. Là, il y a un truc à faire avec quoi? Non, pas du tout. On récupère le générateur hein, du coup. Yep. La lumière, on l'a. Elle est là. Vers la lumière et faut qu'on trouve l'argile. Mais du coup, je me suis dit, l'argile, c'est peut-être le truc orange là. Non? Vous en pensez quoi? Ah, il y a une balise là. Oh, c'est une pile. Attends, j'ai encore une pile? C'est un tronc, non? Non, 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 les troncs, ils ressemblent à vraiment des arbres, comme on connaît. What time is it, au fait? Je ne sais pas quelle heure il est. Pouvez-vous me donner l'heure? Vous qui voyez. Ah non! Ah, je vais mourir! Je vais mourir! Oh là là, mon dieu, le trou! <rire> 11h27? Oh, ça va! Et si vous avez des décalages horaires, bien sûr, c'est possible que vous ne soyez pas en hexagone. C'est possible, c'est pas grave. Vous pouvez aussi donner l'heure, je vais calculer. On va passer par là. Hein. Oui, j'ai cru comprendre qu'on était dans des crevasses. Je cherche de l'argile, bonjour. Région des montagnes. Ça, c'est un coup à mourir, ça. À pas voir les trous, ça. h 12, encore et tout le temps. Là qu'il est 13h12. Oh, une entrée de grotte. Oh, oh, mais c'est une entrée de grotte à la taille du buggy. Mais c'est incroyable. Attendez, on va jusqu'où comme ça? Mais c'est ici que je veux habiter, moi. Est-ce que j'ai une balise pour mettre ici? Oui, j'ai une balise, mais est-ce que j'en ai deux? Je ne sais pas. Je veux habiter là. Ça a l'air vachement bien. Regardez, on peut faire une sortie comme à la Batcave. C'est le parking souterrain, exactement. Mais je sais pas pourquoi c'est la taille du buggy, c'est très bizarre. À croire que c'est calculé pour. Est-ce que je check maintenant tout de suite que... Voilà, et je vais jamais trouver l'argile, hein. Je sais pas où trouver l'argile. Ah, il y a un truc là-bas un peu étrange. Est-ce que ce serait pas ce que je cherche? C'est possible. Je crois que ça ressemble à ça. Ah non, c'est de la malachite, ça. Il y a beaucoup de choses ici. Oui, c'est ça, l'argile, c'est en bas des montagnes. Il y a un truc comme ça, je crois. Composite. Mais ça, c'est vraiment du composite, hein. Le malachite, c'est rare. Et où notre maison? Elle est là-bas. J'ai fait le tour de la planète là? Alors non, c'est pas le sol marron apparemment.
En fait, faut que je trouve un endroit de ressources argile. Ils disent que c'est un peu partout sur la planète, mais je trouve pas. Là, il y a de la malachite, peut-être qu'il faudrait que je la note pour plus tard. Pas où aller. Pas là, non. Là, il y a du composite un peu partout. Peut-être aller du côté des forêts, parce qu'on n'est pas allé du côté des forêts. Ça, là, ça ressemble à des trucs, mais je sais pas. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'attends, Mais il y avait des trucs, en fait, un peu agressifs dans ce jeu. Je viens d'y penser. Ça, c'est quoi? Ah non, je vais pas dire raser la campagne. Non, faut pas raser les trucs, hein. Regardez, vous avez vu ça ou pas? Ce grand bâtiment là-bas. Eh bien, figurez-vous que ça fait partie du... Ah, du mystère! Ah, non, on va jamais y arriver. Je vais vous montrer, mais maintenant que j'y pense, il y avait vachement des trucs agressifs en fait dans ce jeu. Enfin, agressifs, dans le sens où on peut mourir. Il y avait des trous. Déjà. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, purée, mais je vais jamais. Le jeu m'en veut. Mais non, mais je veux retourner le truc. Merci. Je veux rentrer maintenant. Je veux appuyer. Ah, ça y est, ça rame. Ah, ah, c'est ça. C'est ça, l'argile. Trahi. On a trouvé. Donc, ça ressemble à bien de la terre, mais par terre. Ouais, un peu logique. En prendre pas mal. Ah ouais, mais non, mais je peux plus en prendre là. Balise. Surtout qu'en plus on est à côté du truc, donc c'est pas mal. Est-ce que je peux en mettre dans mon dos, s'il vous plaît? On va aller voir le petit truc, je vais vous montrer. À quoi ça ressemble. Ça a changé, hein, l'argile, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à l'argile qu'on connaît. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Ah mais du coup on va pouvoir l'activer en fait. Ah non, j'y pense. On aura pas assez pour l'activer. Faut des gros... Ouais. Faut de la grosse puissance de génératrice. Et j'ai pas non plus de quoi monter. Parce qu'en fait, il faut que j'augmente mon module pour pouvoir rajouter de la terre. Après, j'ai la technique j'ai pas envie de claquer, qui est je fonce avec le buggy dedans. Et hop. Les lumières lointaines, on a validé. Et bien, c'est bizarre, voilà. Très joli, pourtant. Bon, voilà. Vous avez compris, faut que j'augmente mon truc. Je vais mettre la map, je sais plus comment on fait. Ah, un trou. D'habitude. Mais non, on va pas... Moi, j'ai... Déméter qui fait que m'embêter. On va aller voir la balise. Je pense pas que ce soit la bonne balise. Je m'appelle plus. Ah non! Oh, mais c'est une grosse grotte. Alors là, non. S'il vous plaît. On n'a pas le temps pour ça. Je sais plus comment on fait la map. C'est M? La maison est là-bas. Au nord. Ah. Vous avez vu, on a du coup mis lumière lointaine. On l'a mis dedans. Bon, j'essaie de conduire ayant conscience
des trous. Et oui, du coup, Satisfactory, non, on va pas aller jusque-là. Nous, on essaie de juste de survivre déjà à notre petite échelle. Hein. En détruisant ce qu'on peut ne pas détruire, ce serait bien aussi. Ah, c'est bon, je peux enlever la map. Comment on enlève la map déjà? Bien fait de l'enlever maintenant parce que je crois qu'il y a un trou là. La montagne. Wow, 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 wow. Regardez toute cette résine là-haut. On va jamais récupérer. Et moi j'ai déplacé la caméra en même temps. On essaye, Déméter, on fait ce qu'on peut. Même si c'est capitalisme quand même. Hein. On peut à notre échelle. Bim, bim, bim. Oh, je vais tomber dans le trou. Là ça rame au mauvais moment. Je suis actuellement en plein milieu d'un saut. C'est bon, j'ai survécu. Hop. Oh non, oh non. Je vais ralentir, on arrive à la maison. Pip, 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 pip. Bien fait de ralentir parce que regardez cette force incroyable qu'est l'escargot. Quel niveau de qualité graphique as-tu mis en option là? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Non, je crois que j'ai mis moyen. Moyen et je suis en fenêtré 1920-1080 pour que j'ai quand même un peu de la possibilité d'apprécier le jeu. J'avoue. Donc l'argile, faut qu'on le fasse fondre, je crois. Voir de la céramique. Et avec la céramique. On pouvait faire. Voilà, le module de forêt. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Je ne sais plus. Ah, on a pas mal de trucs à faire du coup. Dynamite, non. Feu d'artifice, non. Réacteur à carburant solide, réacteur à hydrazine, overboard. Ah, bientôt. Hein. Appareil photo, peut-être qu'on va le débloquer ça hein, quand on aura les puces. Module E3. Alignement. Ça, c'est pas mal, ça permet de faire un truc. Alors, le zinc, je sais plus où on l'avait trouvé. Ah bah on peut faire les petits trucs solaires, ça peut être pas mal. Je crois que j'avais pas autant à avancer imprimante moyenne. Aluminium et céramique, on peut faire ça. Hein. Ah oui mais ça l'oxygénateur c'est pas pour tout de suite, on s'en fiche. Le broyeur moyen, il faut du fer, on en a même pas. Abri mobile, on l'a même pas. Silicone et graphite. Pas auto, plastique vert. Capteur d'alim. Je sais même plus où on a trouvé vraiment. Je suis en train d'essayer de capteur de batterie. Péteur de bouton. Mais. Ah, mais ils ont vraiment tout satisfactory le truc, quoi. Il y avait pas tout ça avant. Interrupteur. Mais vraiment, on peut vraiment tout automatiser. Générateur. Solaire moyen. Ah oui, c'est ça que j'avais pris. J'avais pris ça, moi, directement. Et je l'avais mis sur le buggy. Aluminium et céramique. Ça, c'est pas bête, ça. Hein. Du coup, on n'a pas assez d'octets. Plateforme moyenne en T. Il faudrait qu'on fasse le tracteur avec de l'aluminium deux fois. Ouais.
Morque, pas bête. Klaxon à buggy moyen. Treuil. Ah, il y a un treuil. Waouh, il y a des nouveaux trucs que je ne connaissais pas. Finisseur, monte-le sur un rover pour créer des routes partout où elles sont nécessaires. Mais c'est quoi ça? Oh! Alors oui, on peut changer si tu veux. On avait dit Reykjavik, je crois, après. Et on était tombé sur une radio en Roumanie. Ouais, mais en fait, le Astronir, je crois qu'il est sorti avant, ils ont dû rajouter des trucs, parce que moi j'ai joué à la première version. Propulseur à carburant solide. En fait, tout le truc de on fait des routes, c'est après quoi. Je l'ai vu pas. Il y a des postes d'aiguillage pour vous dire. On peut même faire un train. Détecteur d'anomalie. Ok. Labo de chimie. On a presque tout. La plateforme requête, on peut la faire. Plateforme d'échange, on pourrait la faire. Grand broyeur, ce serait pas mal de la faire, mais on n'a pas de puce, ça sert à rien. En panneau solaire, pas du cuivre. Je ne sais que faire. On va changer, hein. Or. Ça me tue. Tapoteur, bon, alors, du coup, je sais pas quoi ce qu'on va prendre. Hein. Il a fini mon. C'était le boost et le module de forêt, c'est ça? Zinc. Je me rappelle plus comment on fait du zinc. Est-ce qu'on avait fait du zinc déjà? Même plus moi. Ça c'est du zinc? Non. Je ne sais plus. J'ai laissé la balise, ah oui c'est vrai que j'ai laissé la balise à côté de la céramique. Transport et camionnage, imprime un tracteur, débloque et imprime le module de boost. On n'est pas là, je sais plus où on a trouvé le zinc. De toute façon ça doit être dans le coin non? C'est vrai qu'on a trouvé une pile. Je ne sais plus. On va sauvegarder. Je ne sais plus où on est. Je ne sais plus ce qu'on fait. On sauvegarde. Et dans pas longtemps, je vais y aller. Il est 11h43, faut que j'y aille même maintenant. On va checker juste le module de forêt, ce que ça donne. On va aller récupérer le truc violet là-bas. Pour des octets. Et de pas mourir sur le chemin, ce serait bien aussi. Ouais, plus d'émetteurs. Du coup, la prochaine fois, on choisira d'autres radios. Parce que là, c'est vrai que normalement, pour choisir la radio, on se positionne ici pour pouvoir bien choisir. Sauf que là, vu que je vais partir, bah, ça sera pas très intéressant parce que ça sera juste la fin.
Mais la prochaine, n'hésite pas. Et ouais, du coup, on va essayer de voir ce que le module de forêt, ce que ça donne. Comme ça, faut que je le mette là, hein, juste. Pas ce que ça fait. On récupère plus facilement de l'organique, ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai beaucoup plus de facilité à récupérer de l'organique, ok. Et brûler l'organique, déjà, ça me fait quoi de comme bestiole? Carbone, je crois. Pas le générateur. On va faire du carbone. Et le zinc, je sais plus comment on fait. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais. Et donc ça, c'est donc du coup, ce refuge sert à extraire des ressources naturelles ou du sol. Ok. Par exemple, si je donne ça. Je sais plus comment il fait. Il a fait la dernière fois. Il a vidé toutes mes bonbonnes. Là, il veut pas les vider, peut-être parce qu'elles sont pas vides. Elles sont pas pleines. Je pense que c'est un élément. Ah, le zinc, c'est directement un élément. Ouais, on va regarder de toute façon. Celle-ci, elle est pleine ou pas? Non, elle est pas pleine celle-là. Celle-ci, elle est pleine? Elle est pleine. Donc, normalement, c'est pleine. Bon, on verra. Il en faut. Mon buggy est alimenté. Et on a un projecteur en plus, ce qui veut dire qu'on pourrait se balader dans les grottes tranquillement. J'avais oublié que ça faisait de l'oxygène aussi. Bon, bref. Je vais faire une photo pour la transmission. Enfin, une photo. Vous avez compris que je faisais des captures d'écran. Hein. On va taper la pause avec le buggy. Et il permet de sauvegarder le buggy, c'est ce qui est pas mal. Ah, c'est compliqué. Beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Tu veux pas te bouger de la photo 3 secondes histoire qu'on montre bien qu'on a bien rangé, s'il te plaît. Et... Petite tapage de pause et je vous envoie en raid. J'enlève la cam 3 secondes. J'enlève le HUD. En plus, regardez en haut. T'inquiète, t'inquiète. Bon, on va aller voir chez Lanty, hein. Merci encore des raids, c'était fort agréable, bien entendu. Merci Marcel Duchemin encore, et merci Alice Rage encore. Pour le stream, merci Fred aussi d'avoir été là, bien sûr. Merci Clem Lelu, merci Nagual, merci... du coup, le monde qui est encore là, Déméter aussi qui était là encore pendant un moment. Je ne sais pas si tu es toujours là. Je vais pouvoir vous faire du coup le topo de qui a gagné au niveau des caractères. Je crois qu'on est sur Déméter pour l'instant à 1366, Striga 1088 et 1345 pour Clem Lelu. C'est un top 3. Bravo, bravo à vous. Merci beaucoup encore au raid, c'est toujours agréable. Et bien sûr, on se capte bah, mardi, Astronir again.
Histoire qu'on avance, parce qu'on avance, mais on n'a pas encore découvert les ministères. Voilà. Il reste 40 secondes à peu près. Que dire, que dire? Il y a Furax en ce moment. Allez voir Furax. On va faire un shoot-out. À partir d'aujourd'hui, il y a Furax. Donc c'est at on est Furax. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Et oui, il y a des mystères, sache-le. Il y a des trous et il y a des mystères. Il n'y a pas... comment ça s'appelle? Basile, Mystère et compagnie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Achille, Mystère et compagnie. Il n'y a pas ces personnes-là, par contre. A plus. Ah, Franck Brusset, bonjour. Bienvenue. Désolé, c'était la fin. On va aller chez Nantistream. Allez voir Franck Brusset aussi, bien entendu.